J'ai les fiches à la Samuel. Ok, on commence par une question. Culture. Ok. Top. Je suis le tout premier jeu télévisé en France, créé par André Gillois, Pierre Belmar et Jacques Antoine. Diffusé. Non, non. C'est toi. La tête et les jambes. Non, pas du tout. Le jeu de... Mauvaise réponse. Jeu de 20h. Non. La main passe. Attention. La main passe à Cyril. Allez. Diffusé 1954 à 1961 sur RTF Télévision. L'une de mes séquences, La tête et les jambes, est devenue une émission à part entière à partir de 1960. Je suis présentée par Pierre Belmar jusqu'à ma dernière diffusion en 1961. Je suis Pierre. Alors. Aucune idée. Pourquoi j'étais pas né? J'étais pas né. Je vois les images. Non, j'aurais diffusé un épisode en plus, j'ai oublié. La... Voilà, oui, Télématch. Ouais, mais et la tête et les jambes, c'était quand même un peu dedans. Ouais, mais t'étais dedans. Il faut la bonne réponse exactement. C'était une séquence. Mais vous étiez. Oui, c'était. Excuse-moi. Mais j'ai quand même le dictionnaire des boulons ou pas? Non, mais tu as toute notre estime. Ah, d'accord, très bien. On garde l'archive. Désormais, le champ et la grotte sont ta propriété. Nous en sommes témoins. Quel est le personnage qui vient de conclure cette affaire et quel est le mort qu'il veut enterrer? Le personnage, c'est Ephron, le Hittite. C'est Abraham. Oui. Abraham, qui converse avec Ephron pour lui acheter la caverne double de Machpelah, pour y enterrer sa femme, Sarai. Vous avez parfaitement raison, c'est Abraham qui vient demander une sépulture pour Sarah, sa femme. Maître Capello. Il y avait des puits de culture qui participaient à cette émission. Là, le thème de l'émission, c'était la Bible. Et donc, ils interrogeaient ce monsieur professeur qui connaissait tout de l'histoire biblique. Et donc, il y avait des questions extrêmement pointues sur... C'était extrêmement pointu, mais c'est surtout la tête et les jambes qui a marché. Lui, il pourrait gagner 200 à la suite à question pour un champion. Hein. Ah, mais c'est, non, ce jeu est vraiment dur. Et puis, le problème, c'est que les questions vont dans tous les sens. Donc, il est très fort en histoire, mais je ne sais pas, sur le PSG, sur les derniers morceaux un peu de tendance et tout. C'est ça. Question vocabulaire. C'est parti. Top. Objet imaginaire créé par l'humoriste Pierre Dac dans les années 50. Je donne mon nom à un jeu. Oh, moi, je sais. Le Schmilblick. Oui. Réponse de Cyril Ferro, je suis le Schmilblick. Sur ça. Le Schmilblick, est-ce que le Schmilblick existait-il sur les avions avant 1925? Monsieur Gillus, bonjour. Bonsoir, madame. Est-ce que le Schmilblick se tient à côté de l'appareil? Se tient à côté de l'appareil? Oui. Est-ce que c'est masculin? Pas de... Non, c'est bien. Pas de commentaires. Bah, c'est ce qui a inspiré Coluche. Oui, c'est bien sûr. Coluche, question Jeanne Calment. Ah, très bien. Oula. Quelle est l'émission 122. Quelle est l'émission qui détient le record de longévité à la télévision française? Thalassa. Non. Jour du Seigneur. Ah oui, le Jour du Seigneur, oui. Et en deuxième... Ça, c'est pas un jeu télé. Et en deuxième position... Un jeu télévisé. Ah bah déchiffrer des lettres. Ça fait quand même 2 points pour Cyril Ferro. Merci. Mais on est obligé de le laisser gagner là, sur Il est venu jouer à Question pour un champion. Il a gagné. Oui, j'ai gagné. C'est plus intelligent que vous trois. Il est champion. Et j'avais fait tourner Samuel. Tu te souviens, je t'avais porté comme un héros à la fin d'un match. Tu te rappelles pas de ça? Mais ça c'est pas un exploit. Si, je me souviens. Oui. Tu fais mon émission, je te mets au défi de me faire tourner. Je suis un bonhomme. On regarde les chiffres et les lettres. Consonne. N. Voyelle. E. Et consonne. L. Frédéric Vandamme. 9 lettres. Avec enculage au pluriel. Enculage. Oui, et des mouches exclusivement. Bien entendu. 60 ans d'émission et vous choisissez ce mot-là. Vraiment. Il y avait vélocipède, il y avait... Non, c'est un neuf lettres, c'est extraordinaire. Abscon, etc. Super. Vélocipède. 56 ans déchiffrer des lettres, question pour un champion, se débrouille pas mal. 33 ans, je crois. 33, oui, 33 ans. Oui, oui. Dont 6 ans pour votre serviteur. Et vous n'avez pas l'intention que ça s'arrête? En fait, moi, mon rêve, ce serait de passer la main, c'est-à-dire que, d'aller jusqu'à la retraite, parce que j'adore ce jeu. Votre retraite. Enfin, oui, parce que moi, je ne l'arrêterai jamais de moi-même. J'ai toujours dit, question pour un champion, c'est une responsabilité, c'est un jeu magnifique. On me l'a confié, je veux le faire durer le plus longtemps possible. Je ne m'arrêterai jamais, moi. Donc, il faut vous virer. Voilà, exactement. Mais ça, on a le droit. Message pour la direction. Non, mais ils savent, je leur ai dit. Mais ils ont le droit de me retirer, il n'y a aucun problème. Par contre, moi, je n'arrêterai pas. Moi, mon kiff, ce serait de passer le témoin à quelqu'un d'autre.
Voilà, quand j'arriverai, bon, la retraite, c'est quoi? Ça va être 72, 80, 80, je sais plus. C'est, 60, c'est on plus, peut, jusqu'à plus, 75 c'est plus ans, en plus loin. On peut travailler. Donc, c'est, j'aimerais bien. Bah, une femme, par exemple, puisque c'est deux bons hommes. Il y a très peu de femmes. Il y a peu de femmes. Il y a Laurence Boccolini, mais il n'y en a pas tant que ça. Karine Tessandier et Laurence Desmaillers. Il y a aussi Sidonie Bonnec. Oui, Sidonie avec Olivier. Il n'y en a pas des femmes. Ça commence. Moi, j'aimerais bien passer la main à une femme. Et voilà. Mais dans 40 ans. Ben, le plus tard possible, parce que j'adore ce jeu. Message passé. Mais cela dit, on parle de Sidonie et Olivier. Là, ils vont fêter leur millième bientôt. De Tout le monde a son mot à dire, ça marche bien aussi. Bah oui, c'est tous les jours. 6 ans que vous avez repris les rênes de Questions pour un champion, oui. Et que vous y avez ajouté cette Samuel Touch, cette espèce d'humour indéfinissable, pas le dernier pour la déconne sous ses airs d'enfant sage. Quel est ce terme qui désigne la branche de la biologie ayant pour objet l'étude des animaux? Gaël. La zoophilie. Dites rien. La zoologie. Oui, je vais buzzer, mais à mon âge, c'est toujours difficile, vous savez. Au moins une fois dans sa vie, avoir goûté le fion. Pardon? Le fion vendéen. Mais oui, qui a un parfum... Ah oui, j'imagine. Oui, à cannelle. Ah oui. C'est oui. Un gâteau. Je précise. La larve du papillon, c'est là. La chenille. Ah oui. La chenille, parfois, qui redémarre. Oui. Désolé. Désolé. Eh oui, pardon. Forcément, entre votre matinale et vos heures de Twitch, ça fait récré. Il y a clairement un manque de sommeil qui fait que voilà, je fais ce genre de vanne. Le rire, c'est d'ailleurs une composante essentielle des jeux. Faut la jugeote, faut la concentration, etc. Mais il faut aussi se poiler. Astuce, ce dont le gastronome se sert... Oh merde. Astuce, ce dont le gastronome... Attends, je... Quelle est la première lettre du synonyme de gros orteil qui figure parmi ces mots? Merci votre styliste de m'avoir fait. Ah, en plus, elle est à nous, cette chemise? Ah non, elle est à moi. Ah, d'accord. Pardon. L'hallux valgus, qui est une déformation du gros orteil. Oh, merde! Alors que vous, la chemise est toujours très classe, hein, Cyril. C'est vrai. Après, ce qu'il faut dire, parce que les gens ne le savent pas forcément, c'est qu'on tourne 7, 8, 12 émissions parfois par jour. Donc, quand on arrive à la 7e émission de la journée, qu'on en est à notre 8e ou 9e jour de tournage, eh ben forcément, on est un peu fatigué, forcément. Voilà, orteil de Véran, on dit n'importe quoi. Mais c'est ça aussi qui fait qu'on n'est pas si nombreux à réussir à présenter des jeux. Historiquement, sans faire les pleureuses, on a pensé très longtemps que les animateurs de jeux, tu vois, c'était beaucoup moins bien vu que les animateurs de magazines, de talk, que les journalistes, etc. Alors c'est un peu le cas quand même. Combien c'est encore un peu le cas parfois. C'est non, mais c'est vrai qu'on a cette chance, nous, qu'on nous confie d'autres types d'émissions. Moi, je suis ravi de pouvoir faire du divertissement, de faire du jeu d'aventure, etc. Mais c'est pas si évident, c'est depuis peu de temps, en fait, qu'on permet aux gens qui font des jeux de faire autre chose. C'est vrai. Parce que quand on arrive à tenir la cadence tous les jours, à faire avoir du talk avec des candidats, répartie, on a quelques fiches, on a deux, trois infos sur beauté. Mais on est toujours dans l'impro, on ne sait pas, il faut qu'on les détende, ce ne sont jamais des spécialistes de la télé, parfois il faut qu'on les calme, il faut qu'on percute toute la journée. Je peux vous dire que quand on lit des questions à longueur de journée et qu'on arrive à la 7e émission, on est rincé du cerveau, voyez. Et c'est une fierté quand même de présenter c'est ces vrai, jeux. C'est vrai, Bruno? Ah oui, c'est vrai, non, mais moi je trouve qu'animer des jeux, c'est un genre à part entière, et c'est vrai que très souvent, on me disait, ah bah tiens, tu voudrais pas animer un talk, etc. Mais moi, je suis vraiment très content d'avoir des jeux. C'est une histoire qui se répète tous les jours, mais qui n'est jamais la même, parce que ce ne sont jamais les mêmes candidats. Et en fait, on part sans filer avec des gens pendant une demi-heure, sans plus loin filer. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est pour ça que je préfère me reprendre tout de suite. Et ce côté, voilà, sur le fil pendant une demi-heure, je trouve ça extraordinaire. Et en plus, vous l'avez. Pour vous, une émission que vous portez, parce que vous avez longtemps pris les suites, le quatrième duel, les amours, on ne demande qu'à en rire. Là, c'est vous. Là, pour une fois, on me confie un truc, et pour l'instant, ça marche mais plutôt pas mal. Raison, humainement, c'est très fort. D'avoir ces candidats qui changent sans arrêt, d'essayer de les comprendre très vite. Parce que c'est comme les touches d'un piano, les candidats, en fait. Il y a des humours, des sensibilités, des stress. Et en fait, on joue avec c'est ça. C'est vrai que si c'était toujours les mêmes candidats et toujours les mêmes questions, ça marcherait moins. C'est ça. C'est pas idiot. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Les gens le verraient. J'ai une dernière question. Ah. Question histoire. Très bien.
Je suis un objet, une machine de guerre, en usage pendant l'Antiquité et au Moyen-Âge. L'usage a été abandonné dès le VIe siècle en raison de sa faible résistance à l'humidité, mais toujours construite aujourd'hui pour l'enseignement des sciences, les reconstitutions historiques, des concours ou comme occupation de loisirs. Ou épreuve d'un jeu télé, ah, je auquel sais. Participe l'un de nos invités ce soir. Je suis... Catapulte. Une catapulte. La catapulte, capable de lancer des projectiles à grande distance, des lourds de pierre, voire des Patrick Cohen, sans emploi d'aucun ah, oui. Ah, ça sent le dossier. C'est horrible, ça. Mais tu gardes la classe, hein, quand même, c'est ça qui est bien. Non, non. Il reste chic. Et qui l'a réussi ? Non, c'est super dur, ça. Non, non, mais tu gardes la classe, je trouve. Ah, non, mais quand ça part, moi, je l'ai vu. Mais quand ça part, c'est impressionnant. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu un animateur cet été qui l'a... Qu'il a raté ? Non, non, qu'il l'a fait, qu'il a réussi, et c'était brillant, quoi. Bah, il est jaloux. C'est pas mon gars. C'est pour ça dont je pensais dans... Les téléspectateurs se demandent, c'est comme ça, après, qu'on met un autre animateur à la place, vraiment.